Bonjour, bonjour à tous. Ça marche bien, on m'entend bien, parfait. Alors bienvenue pour cette troisième conférence de la matinée, donc, qui va vous être présentée par Émilie Mansour, Anthony Naudin, donc chef de projet accessibilité numérique pour Émilie et consultant d'accessibilité numérique pour Anthony, donc chez Numérique UA, et puis par Francis Lemaitre, donc chef de projet web, et puis moi-même, Aliénor, chef de projet UX UI, donc chez Access. Alors, donc déjà, on va vous rappeler un petit peu le sujet, parce qu'on a un titre qui n'est pas le plus concis du monde. Je ne sais pas si le sujet il est déjà hyper clair pour vous, si le propos était assez compréhensible. Ça se trouve, vous êtes là parce que peut-être la conférence d'avant était géniale, les sièges sont super confortables en plus. Bon, bref, en fait, on va vous parler d'accessibilité numérique, et vous allez voir que c'est super intéressant. Donc c'est parti pour 40 minutes, on va d'abord vous présenter le contexte du projet dont il est question, on va ensuite vous rappeler les fondamentaux de l'accessibilité numérique, on vous présentera la méthodologie projet qu'on a mis en place, et puis on vous détaillera vraiment plus précisément comment on a fait pour axer cette conception sur l'accessibilité. Ensuite on parlera recettes et développement, et puis en conclusion on vous donnera les limites et puis les réussites qu'on a pu dégager de ce projet. Et il y aura une phase de questions-réponses si on n'est pas trop long. C'est à moi. Oui, on m'entend bien. Bonjour à tous. Donc moi, je vais vous parler rapidement de Numérique UA. Donc Numérique UA a été créé en 2016. C'est la première entreprise adaptée agence web spécialisée en accessibilité numérique. Donc notre petite particularité, on est 20 collaborateurs et en fait on a 90% de nos collaborateurs qui sont en situation de handicap. Et l'objectif qu'on a chez Numérique UA, c'est de permettre le retour à l'emploi donc de ces personnes en situation de handicap dans des milieux ordinaires. Donc depuis 2021, maintenant, on forme tous les ans des personnes en situation de handicap au métier d'auditeur en accessibilité pour favoriser leur employabilité. Et donc Access, donc, il y a déjà eu une grande présentation ce matin, donc je vais essayer de faire très vite. Mais en gros, c'est trois grands pôles, donc Digital Services, Cloud Computing et Software. On est basé à Valence, à Lyon et à Paris, mais un peu aux quatre coins de France, parce qu'on a beaucoup de télétravail. Et on est régulièrement sponsor des événements Drupal, avec surtout des collaborateurs qui sont impliqués dans la communauté. Donc pour la petite équipe Open Web Service, donc qui est vraiment l'agence Drupal du groupe Access, on va accompagner vraiment les clients tout au long de la vie du projet. Donc la phase amont avec du stratégie, marketing, stratégie digitale, UX design, toute la phase de développement et puis la phase de TMA, l'hébergement aussi également. Donc c'est plus de 190 projets Drupal et c'est une équipe de 40 collaborateurs vraiment extraordinaire, avec vraiment des compétences complémentaires, chef de projet, développeur, UX, UI design, intégrateur. Donc c'est vraiment des équipes passionnées par Drupal. Et le projet dont on va vous parler, donc c'est un projet de refonte pour l'association Valentin AUI. Donc un projet qui a débuté en septembre 2023, donc pour une mise en ligne qui est prévue fin août. Donc l'association Valentin AUI, elle agit pour l'autonomie des personnes aveugles et malvoyantes. Et en gros, elle propose des services vraiment complets, donc des établissements médico-sociaux, des établissements avec du travail adapté. Et puis, sur des implantations un peu plus locales, des accompagnements divers, notamment pour l'accès à la culture, au sport et à l'utilisation aussi du matériel numérique adapté. Donc, ça représente 3000, enfin, c'est porté par 3000 bénévoles pour 11000 bénéficiaires. Et donc, l'objectif de cette refonte, c'était de faire un site qui soit vraiment accessible. Au-delà juste des critères du RG2A, du respect des critères du RG2A, l'idée, c'était aussi que ce soit concrètement facile à utiliser avec la navigation au clavier. Et on avait dans l'équipe projet un collaborateur donc, du côté AVH qui est aveugle et donc qui contribue au site. Donc c'était important pour lui aussi que tout le projet soit le plus accessible possible pour qu'il puisse participer dans cette conception. Et puis, comme toutes les refontes, le but, c'était aussi de retravailler le fond et la forme. Alors maintenant, je vais vous parler un petit peu d'accessibilité numérique. Peut-être que certains ont déjà entendu ce mot, mais concrètement, vous ne savez peut-être pas ce que c'est.
suivante. Merci. Donc, l'accessibilité numérique, c'est permettre aux personnes en situation de handicap de pouvoir naviguer, contribuer, interagir sur le web comme n'importe quelle autre personne. Donc, il existe différents types de handicaps. On peut avoir des handicaps visuels, des handicaps auditifs, des handicaps cognitifs ou même des handicaps physiques, moteurs. Mais on a également d'autres types de handicaps. Par exemple, on peut citer les personnes âgées qui, du fait de leur âge, peuvent avoir besoin de certains aménagements pour consulter des sites internet. Et on a également parfois ce qu'on appelle des handicaps temporaires. Par exemple, vous cassez le bras droit et vous êtes droitier, vous allez peut-être naviguer autrement sur Internet qu'en utilisant une simple souris. En fonction des différents types de handicap, il y a aussi différents types d'usages. Donc on a des personnes qui vont parfois avoir besoin de ce qu'on appelle des technologies d'assistance. Donc ça peut être par exemple des lecteurs d'écran ou des logiciels pour zoomer très fortement sur une page Internet. Et on a également des personnes qui vont avoir besoin d'outils physiques, comme par exemple des tablettes braille. On peut avoir besoin de se déplacer avec uniquement ce qu'on appelle des contacteurs. Donc il peut y avoir tout plein d'usages différents. Ce que je vous propose, c'est de prendre une petite minute pour regarder un cas d'usage d'une personne qui est déficiente visuelle et qui souhaite donc faire une formalité sur Internet. Et vous allez vite vous rendre compte que quand les sites ne sont pas accessibles, c'est très difficile pour eux de pouvoir aller au bout des process. John Doe, déficient visuel depuis son plus jeune âge, a fait une chute. À sa sortie d'hôpital dimanche, plusieurs démarches sur Internet sont à effectuer. Il navigue sur 3 sites avec son clavier et son lecteur d'écran qui vocalise les contenus. Il veut tout d'abord vérifier ses comptes bancaires avant de payer l'hôpital et ses médicaments. Sa banque est censée lui demander son identifiant. Édition vide. Sa date de naissance. JJ/MEM/AAA édition vide. Et son code secret pour se connecter. Édition en lecture seule vide. Pour le champ identifiant, le lecteur d'écran lui dit édition vide, au lieu de lui demander son identifiant. De plus, le bouton d'information I n'est pas accessible au clavier, et le prive donc de toute indication supplémentaire. Pour le champ date, le lecteur restitue l'exemple et non l'objet du champ. Pour son code secret, il ne peut même pas accéder au bouton permettant de saisir son code confidentiel. Il décide tout de même d'aller sur le site des hôpitaux de Paris pour régler son hospitalisation. Il est censé remplir 3 informations obligatoires dans le formulaire. Compte client, référence, adresse de messagerie. Lien. Le site n'étant pas pensé pour la navigation au clavier, les champs sont donc sautés et le lecteur ne lit que les points d'interrogation qu'il comprend comme des liens. Il ne peut donc pas remplir le formulaire. Voilà, donc c'était un tout petit exemple, mais ça vous montre un cas d'usage et ça vous explique et vous expose clairement que quand un site n'est pas accessible, et malheureusement, on prive un grand nombre de personnes de pouvoir aller au bout de certains process très simples, comme ne serait-ce que consulter son compte en banque. Donc l'accessibilité numérique, c'est normé. Il existe une directive internationale qui s'appelle le WCAG, vous en avez peut-être déjà entendu parler. Donc les WCAG, c'est les Web Content Accessibility Guidelines. Elles sont composées de 3 niveaux d'exigence et le W3C recommande donc d'utiliser la norme AA. Et donc tous les pays qui ont décidé de légiférer sur l'accessibilité numérique utilisent cette norme et ont créé leur propre référentiel. Par exemple, la France, le référentiel qu'on utilise, ça s'appelle le RG2A, référentiel général d'amélioration de l'accessibilité. Ce référentiel est composé d'une méthodologie de test, donc on va tester 106 critères, et ça va nous permettre de pouvoir auditer les sites internet et de pouvoir dire s'ils sont accessibles ou non, et potentiellement les erreurs qu'il y aurait à corriger. Il y a également donc 4 principes fondamentaux en accessibilité numérique. Donc le premier, c'est que votre site il doit être perceptible. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout d'abord, un site Internet, tous les composants, toutes les fonctionnalités et les informations qui sont proposées sur votre site, elles sont accessibles pour n'importe quelle personne, indépendamment du type de handicap ou de l'outil qu'il utilise pour naviguer sur Internet. Là, il y a des petites animations qui ne marchent pas, c'est pas grave.
Donc ensuite, un site, il doit être utilisable. Donc le principe, c'est que la navigation au sein de l'interface, elle soit accessible à tous. Il faut vous imaginer qu'il y a des personnes qui n'utilisent absolument pas de souris pour naviguer sur Internet. Donc il est important que l'intégralité de vos sites et de vos contenus soit accessible avec une navigation uniquement, exclusivement au clavier. Donc ensuite, un site, il faut qu'il soit également compréhensible pour tous, et ce, de manière universelle. Donc il est important, lorsque vous avez des sigles ou des abréviations, de correctement les expliciter, donc ça vaut quand même pour tout le monde, mais également pour les formulaires, c'est important de donner des informations sur les formats de données qui sont attendus, parce que, on l'a vu tout à l'heure, hein, JJ, MM, AAA, ben forcément on peut ne pas forcément tout comprendre, donc il faut vraiment être très explicite pour les formats de données que l'on attend. Et le dernier principe fondamental, c'est que votre site, il doit être robuste. Robuste, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est il faut vraiment qu'il soit capable de parer aux évolutions technologiques qu'il peut y avoir par rapport aux outils qu'utilisent les personnes en situation de handicap, qui évoluent énormément. Et donc, il faut que votre site, il soit suffisamment bien robuste, suffisamment bien structuré pour être facilement mis à jour et accepter toutes ces évolutions rapidement. Bonjour, bonjour à tous. Donc, je vais maintenant vous présenter l'approche que nous avons eue pour mener à bien ce projet. Donc, tout d'abord, en termes d'objectifs, il faut bien noter que pour l'association Volontaire UI, l'accessibilité numérique est l'enjeu majeur du projet. D'ailleurs, leur objectif à terme est d'atteindre un taux de conformité au RG2A de 100%. Et nous sommes d'ailleurs engagés à atteindre un taux de conformité de 90% dès la sortie du site. Ensuite, l'autre élément important, c'est qu'on parle d'accessibilité du front office, mais également du back office, puisque notamment certains contributeurs sont malvoyants, donc ils doivent pouvoir utiliser le back office. Et enfin, comme l'a dit Aliénor tout à l'heure, une personne aveugle fait partie du COPIL. Et donc, ça a nécessité aussi, de notre côté, d'adapter certaines de nos méthodologies projet. Donc, je vais vous expliquer maintenant les réponses qu'on essaie d'apporter pour répondre à ces objectifs. Donc, tout d'abord, en termes d'organisation projet, Numérica est un membre à part entière de l'organisation projet. Donc, à ce titre, il participe à tous les copiles et tous les coproches. D'une part, ça leur permet de sensibiliser tous les acteurs du projet aux règles du RG2A. Et également, ça nous permet de bien coordonner les revues d'accessibilité qu'ils doivent mener avec les autres tâches du projet. D'autre part, nous avons essayé autant que possible de rendre accessible la documentation du projet. Par exemple, les supports de Copil étaient envoyés la veille en format PowerPoint, notamment pour que la personne aveugle puisse les consulter avec son lecteur d'écran, puisqu'elle ne peut pas voir ce qu'on projette pendant les visios. Pour ça, notamment, l'association nous a fait faire une formation pour qu'on apprenne à rendre accessible notre documentation. Je voudrais profiter de cette présentation pour vous donner une petite astuce à ceux qui la connaissent pas. Dans Microsoft Office, il y a un outil de vérification de l'accessibilité dans les documents qu'on trouve dans l'onglet révision, vérifier l'accessibilité. Ensuite, il suffit de suivre les indications. Donc, ça permet pas de rendre un document complètement 100% accessible, mais ça améliore quand même nettement l'accessibilité du document à moindre effort. Et je dirais que c'est une bonne habitude à prendre. Donc, le maître mot du projet, c'est l'accessibilité by design. Concrètement, ça veut dire que chaque livrable doit être validé par Numérica, donc à chaque étape du projet. Donc pour ça, on a mis en place des revues d'accessibilité à chaque étape du projet.
En phase de conception, toutes les maquettes et wireframes ont été revues par Numérica. Et ensuite, pour que la personne aveugle puisse participer à cette phase de conception, nous avons sélectionné 4 wireframes significatifs qui avaient été maquettés avec Adobe XD, que nous avons développé en HTML CSS. Donc évidemment, ça a nécessité une charge supplémentaire de développement sur le projet, mais ça n'a pas été un travail inutile parce que ça a permis de former les développeurs front à l'accessibilité en amont du projet, et ensuite ce travail a servi de modèle lorsqu'il a fallu attaquer l'intégration du site. En phase de conception technique, les composants ont été soumis à Numérica, qui a vérifié leur conformité au RG2A, et Numérica également participé à la rédaction des spécifications fonctionnelles et techniques. Et enfin, Numérica participe très activement à la phase de recette, puisque chaque développement front doit être validé par Numérica avant d'être soumis au client. Donc, à titre indicatif, je vous ai mis une estimation de la charge de ces revues d'accessibilité par rapport à la charge totale des étapes. Il faut savoir que ces chiffres peuvent varier d'un projet à l'autre en fonction de la maturité des équipes sur l'accessibilité. Pour l'accessibilité du back-office, nous avons eu une approche différente. Tout d'abord, nous avons choisi d'installer le thème Claro de Drupal, qui est le thème par défaut de Drupal. Et ce qui est intéressant, c'est que l'accessibilité numérique fait partie de son cahier des charges. Il est d'ailleurs conforme à la version 2.1 du WCAG. Et ensuite, nous avons fait faire une revue du back-office par une personne aveugle. Et ensuite, nous avons appliqué quelques correctifs en fonction de ses retours. Donc, par exemple, nous avons modifié le markup des paragraphes dans les formulaires pour que les titres des paragraphes comportent des headers afin qu'ils remontent dans le sommaire qui est généré automatiquement par les lecteurs d'écran. Nous avons essayé également de simplifier les parcours de navigation. Et enfin, nous avons implémenté le langage Markdown. Donc il y a un langage en fait qui permet de mettre en forme un texte uniquement au clavier. Donc pour ça, nous avons utilisé le module Markdown et le module Sec Editor de Markdown. Donc ça permet d'intégrer du texte formaté sans passer par le menu d'administration de Sec Editor. Voilà, et donc je vous ai donné un petit exemple de cette syntaxe. Donc par exemple, pour mettre un texte en italique, on le met entre des underscores, un texte en gras entre des doubles astérix, etc. Alors, pour que vous puissiez un peu comprendre comment on a vraiment axé cette conception sur l'accessibilité, comment ça a orienté nos choix, en fait, je vais vous expliquer un petit peu comment se passent nos ateliers de co-conception. En fait, on travaille vraiment en atelier avec le client, donc on projette les wireframes et on réalise ensemble les écrans. Donc ça, c'est très important dans notre manière de procéder parce que ça permet vraiment d'avoir et l'expertise métier qui est du côté client et l'expertise UX/UI de notre côté, et de pouvoir avancer comme ça en plusieurs ateliers pour pouvoir créer le site qui correspond vraiment à ce qu'attendent finalement les utilisateurs et nos clients. Et donc ce qu'on fait en tout premier dans ces ateliers, c'est qu'on réalise les personas, donc qui sont toujours très importants dans chaque projet, mais qui dans ce projet-là ont été vraiment particulièrement importants parce qu'en fait on a décrit finalement des attentes de personnes donc déficientes visuelles et qui sont des utilisateurs qu'on connaît assez peu, qu'on n'est pas habitué à définir dans les autres projets, et puis qui ont des usages vraiment très spécifiques, notamment avec l'utilisation des outils numériques adaptés. Et donc ça nous a permis de faire des choix assez forts en termes de parcours et de navigation, donc notamment de proposer des contenus en accès rapide, toujours sur toutes les pages, donc on a travaillé ça particulièrement, et puis d'annoncer le contenu de la page, pareil, pour permettre aux utilisateurs qui utilisent la navigation clavier de ne pas chercher les contenus et de ne pas devoir lire toute la page sans savoir même ce qu'il y aura à la fin de cette page.
Donc quelques exemples très concrets. Donc on a particulièrement travaillé les liens d'évitement, dont Anthony va reparler un petit peu plus tard, donc qui permettent d'aller directement à des sections de la page et qui s'activent à la navigation clavier. Et on a ajouté aussi des sommaires dans la majorité des pages, dans une bonne partie des pages, qui permettent en fait de pouvoir très facilement comprendre le contenu de la page et de pouvoir accéder aux différentes rubriques avec un système d'encre. Au niveau des carousels, on n'a fait aucune concession. Il n'y a pas de carrousel, ni en desktop, ni en mobile, parce que c'est quelque chose qui est très compliqué à utiliser à la navigation clavier. Même quand c'est très bien fait dans le code et que ça respecte tous les critères, ça demande aux utilisateurs qui utilisent la navigation clavier d'être vraiment très doués, très habitués à ces composants-là. Et donc, dans la réalité, bah, c'est assez rare. Et enfin, pour les vidéos, on a rendu obligatoire la transcription. Donc dès le back-office, le contributeur va être obligé de fournir une transcription pour valider son formulaire. Ensuite, du côté de l'UI, on va faire particulièrement attention au ratio. Donc c'est peut-être pas nouveau, c'est quelque chose qu'on commence à vraiment systématiser dans tous les projets. Mais en gros, le ratio, les contrastes qu'on va regarder, c'est entre la couleur de fond et la couleur du texte. Et l'objectif, c'est d'avoir un contraste suffisant pour permettre une lecture facile. Donc là, on le voit, le orange un peu plus pâle, il est difficile à lire pour tout le monde, il ne respecte pas les critères du RG2A. Et quand on va aller vers des couleurs un peu plus foncées, ça rend la lecture plus facile pour tout le monde. Donc par rapport à ça, exemple concret sur ce projet, on avait une charte avec un violet qui posait pas de soucis. Par contre, on avait un orange qui était vraiment pas évident, pas optimisé en fait, qu'on pouvait pas utiliser avec du blanc. Et donc il a fallu déjà travailler un petit peu avec le client pour lui faire comprendre, donc une sensibilisation sur la charte pour leur faire comprendre que c'était essentiel en plus pour eux d'avoir une charte qui soit vraiment optimisée à ce niveau-là. Donc on leur a fait changer le orange qui n'est pas le orange de leur charte, on l'a un petit peu modifié, donc c'est ce qu'on voit le plus à droite. Et puis ils sont en train de refondre leur charte graphique pour avoir des couleurs vraiment optimisées. Et on leur a créé un violet très très foncé pour rajouter du contraste qui n'existait pas dans leur charte première. Et puis pour ça, on utilise des outils qui sont intégrés directement à nos logiciels de conception, donc qui permettent de vérifier tout au long de la phase de conception. Et enfin, on a mis en place un menu en cascade, donc qui permet de lire les différents sous-menus par étape, en fait, plutôt qu'un méga menu qui mettrait du temps au clavier pour être lu en entier. Et puis, on a décidé de le faire au clic et non au survol. Donc, ça prend un peu plus de temps en UX, c'est plus de clics. Donc, on dit toujours que voilà, il faut mettre le moins de clics possible. Mais en revanche, pour des utilisateurs qui naviguent au clavier, le survol, c'est compliqué. Donc, on a fait ce choix-là pour le menu. Et enfin, quelques petits conseils, petites astuces qui peuvent intéresser certains. Donc, il y a les grilles de contraste qui existent, qui sont intéressantes en amont de projet, au tout début, parce que ça permet en fait d'avoir rapidement une vision globale de la charte graphique et de voir si, globalement, elle va être optimisée ou pas optimisée, si on va avoir peu d'options ou si on a plein de choix. Donc, vous rentrez toutes vos couleurs et ça vous donne toutes les combinaisons possibles et qui respectent ou non le RG2A. Ensuite, au niveau des fontes, on a une fonte Luciole qui a été développée par des experts français pour les malvoyants, donc qui est assez intéressante. C'est celle qui a été prise pour le projet AVH, qui a été conseillée par l'association. Et puis, il y a la Atkinson Hyperlegible qui a été développée par l'Institut Braille, donc aux États-Unis, qui est très intéressante aussi. Et puis pour aller plus loin, il y a un collectif Inclusive Design 24 qui a proposé une conférence sur un kit d'annotation des wireframes. Et ça, c'est assez intéressant parce que ça permet aussi d'aller un petit peu plus loin dans ce côté wireframe et maquette et de pouvoir intégrer des spécifications exclusivement destinées au respect et aux bonnes pratiques sur l'accessibilité. Bonjour à tous. Alors, pourquoi créer un HTML pourquoi créer un wireframe en HTML Un collaborateur de AVH est aveugle et ne peut pas suivre le projet. Donc, on a créé plusieurs wireframes en HTML. Et je vais vous donner quelques exemples d'éléments non accessibles sur les sites en général. Donc, déjà, il faut avoir une bonne structure de page.
Alors, pour le haut de page, il faut lui ajouter une balise header. Pour le menu de navigation, il faut lui ajouter une balise nav. Pour le contenu principal, il faut lui ajouter une balise main. Et pour le haut de page, pour le bas de page, une balise footer. Il est très important d'ajouter ces balises pour que les utilisateurs en déficience visuelle qui utilisent le lecteur d'écran d'identifier ces éléments. Et ils ont une commande rapide pour aller de structure en structure. Donc c'est très important pour eux. Pour la hiérarchie des titres, il faut avoir une bonne hiérarchie des titres. Par exemple, un titre H2 et les sous-titres en H3. Mais s'il y a des titres en H3 et des sous-titres en H2, ça devient des niveaux de titres incohérents et la personne en déficience visuelle est perdue, ne comprend pas. Donc là, c'est les liens et boutons en général. Je vais parler en général. Donc les liens, ça redirige sur une nouvelle page et un nouvel URL. Et les boutons, c'est un événement qui est déclenché. Par exemple, on va ouvrir un dépliant ou on va fermer le dépliant. Et ça reste sur la même page. Du coup, pour les liens, il faut leur ajouter un bon rôle, c'est-à-dire une balise ahref avec le lien vers la page, et avoir un bon intitulé explicite. Ça, c'est très important. Pour les boutons, il faut aussi avoir un bon rôle, donc un bouton type bouton, pour qu'ils vocalisent que c'est un bouton, et avoir un bon intitulé explicite. Et il faut avoir aussi une bonne valeur aria. Aria, ça améliore l'accessibilité et donne une information supplémentaire pour les lecteurs d'écran et du coup c'est un code spécifique. Par exemple, un aria expanded true ou false, true quand le dépliant est ouvert et false quand il est fermé. Et du coup, cet élément, ça va vocaliser que ça va s'ouvrir et ça va se fermer au lecteur d'écran. Du coup, la navigation au clavier, on va parler des liens d'évitement. Quand on navigue au clavier et qu'on voit ce bouton aller au contenu principal, et qu'on va appuyer sur aller au contenu principal au clavier, faut que le focus clavier doit se déplacer sur le contenu principal de la page. Encadré en rouge sur la capture d'écran. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est de faire une petite revue des études que nous avons menées dans le choix des composants techniques. Alors, je prétends pas que ce benchmark soit exhaustif, il y a certainement des solutions qui nous ont échappé, mais je pense que voilà, ce sont des informations sur le tour d'expérience peut être assez intéressant parce que finalement ce sont des questions qu'on se pose assez régulièrement qu'on veut mettre en œuvre un site accessible. Donc tout d'abord pour les gestionnaires de cookies, donc très rapidement notre choix s'est porté sur Orégime. Alors malheureusement on l'a pas encore implémenté, donc je peux pas vous faire un retour d'expérience précis dessus, mais sur le papier il coche toutes les cases. Donc c'est un gestionnaire de cookies qui est 100% accessible, gratuit, open source et qui est même français par ailleurs. À savoir que Tarte au Citron, qui est un gestionnaire assez couramment utilisé, n'est pas accessible par défaut. On peut rendre son markup accessible, mais ça nécessite beaucoup de développement custom. Pour la sécurisation des formulaires, sur le projet, notre choix s'est porté sur Honeypot, qui est une solution 100% accessible et gratuite. Comme autre option, je dirais conforme au RG2A, il y a HCAPTCHA, donc qui est conforme, mais qui nécessite en fait de recevoir un code de vérification par email.
Et donc qui nécessite des manipulations qui ne sont pas forcément très simples pour des personnes en situation de handicap. Et c'est pour ça d'ailleurs que l'association Valentin 8 n'a pas souhaité l'implémenter. Et enfin, il y a Friendly CAPTCHA, qui est aussi une solution qui s'annonce 100% accessible, mais qui est payante. Et enfin, nous avons également étudié d'autres solutions comme CleanTalk, Google ReCAPTCHA et CAPTCHETA, mais que nous n'avons pas retenu pour cause de non-conformité, soit au RG2A, soit à la RGPD. Concernant les players multimédia, le player 100% accessible, c'est le player HTML5. Cependant, en fonction du volume de fichiers multimédia à diffuser, il peut être contraignant puisqu'il peut nécessiter de mettre en place une infrastructure plus ou moins lourde derrière. Pour sa part, l'association Valentin Lahuy a choisi de conserver sa chaîne YouTube hein, pour des raisons, je dirais plutôt de communication. Alors YouTube n'est pas 100% accessible, mais reste utilisable pour des personnes en situation de, enfin pour les déficients visuels. Donc c'est pour ça que l'association a préféré conserver cette solution, mais qui passe par l'audit de conformité RG2A. Et enfin, nous avons été confrontés à des composants qui ne sont pas du tout accessibles. Donc, par exemple, les cartes géographiques, hein, qui par nature ne sont pas accessibles. Donc, quand on met une carte sur un site, si on veut que ce soit conforme à RG2A, il faut proposer une alternative sous forme de liste. Et également, l'association avait des enquêtes en ligne qu'ils ont faites avec Microsoft Forms, qui ne sont pas accessibles non plus. Et donc, pour en fait, ce qu'on a fait, c'est une voie de contournement. Pour le coup, c'est-à-dire qu'on a, pour exclure ces composants des audits RG2A, on les a pas intégrés dans des iframes, hein, parce que les iframes, ce qui est contenu dans des iframes, fait partie des audits RG2A, et donc à la place, on a fait des liens externes. Et donc, bah, évidemment, c'est une voie de contournement, hein, ça rend pas les services accessibles pour autant. Simplement, ça nous permet de respecter la législation. Donc recettes et développement, la rédaction des spécifications, Aliénor s'occupe des spécifications fonctionnelles, Francis des spécifications techniques et moi-même des spécifications du RG2A. Donc là il y a mon livrable qui s'intitule Préconisation RG2A. Il y a trois choses importantes dans mon sommaire. Il y a les recommandations globales que c'est des éléments qui doivent être accessibles sur tous les sites internet. Il y a les recommandations par composant. J'ai analysé j'ai analysé les maquettes d'AVH en reprenant tous les composants complexes et je les ai ajoutés en composants et donné mes recommandations. Et il y a les recommandations. Et du coup, il y a les recommandations en ce qui concerne les éléments, par exemple les citations, les titres, les listes non ordonnées. Donc bien une recommandation, simplement. Ici, c'est le support d'Access qui s'intitule Spécification fonctionnelle et technique. On voit un exemple avec un tableau avec les champs titres. Et au-dessus, il y a des titres, Lorem Ipsum, site de Laure Hamet. Et il y a le contenu avec le paragraphe en dessous et les images aussi en dessous du paragraphe. La dernière colonne qui s'intitule « Point d'attention sur l'accessibilité », j'ai donné les références de mon support pour que les développeurs puissent voir mes recommandations. Par exemple, le 5.9 élément image décorative. Pour une image décorative, quand l'image ne donne aucune information, eh ben, il ne faut pas ajouter d'alternative. Et pour les images informatives, par exemple, une image avec du texte à l'intérieur,
il faut reprendre, faut ajouter une alternative qui reprend le texte de l'image. Alors, comment nous procédons sur la recette de la revue d'accessibilité? Je collabore avec le chef de projet et le développeur. Nous utilisons Redmine pour la création des tickets. Et du coup, le chef de projet crée le ticket des différents composants du site et le développeur les intègre en HTML. Puis, il me renvoie les tickets pour voir si c'est bien accessible. Je vérifie et s'il y a des problèmes, je donne une solution supplémentaire au développeur pour qu'il les corrige. Et quand ça c'est fait, je valide le ticket et le client le clôture. Alors en conclusion, on a quand même rencontré quelques limites. Donc la première, les premières grandes limites qu'on a rencontrées, c'est sur la phase de conception qui est vraiment purement visuelle. Donc les wireframes côté design, hein, pas ceux en HTML. Et puis les maquettes qui pour le coup n'étaient pas du tout accessibles. On a cherché des solutions du côté de plugins, notamment pour Figma, mais on n'a jamais rien trouvé d'assez satisfaisant en fait, pour permettre à un utilisateur vraiment à la navigation clavier de pouvoir parcourir des maquettes en ayant une idée du site qu'on voulait mettre en place. Donc là-dessus, on n'a pas vraiment réussi. On a proposé une description textuelle éventuellement, mais qui ne convient pas non plus, puisque finalement, un utilisateur aveugle, pour le coup comme nous on avait dans notre équipe, n'a pas la même représentation que nous d'un site internet. Donc lui décrire un site internet, en fait, ça lui apportait absolument rien. Donc là-dessus, on a été vraiment contraint, on n'a pas trouvé de solution. En revanche, tout ce qui était vraiment bien accessible, donc c'est la réponse d'appel d'offres en entière et puis les wireframes en HTML qui ont été développés exprès. Et ce qui est partiellement accessible, c'est les spécifications, parce qu'il y a quand même énormément de captures d'écran qu'on n'a pas eu le temps, pas eu la charge nécessaire de décrire de manière textuelle. Et en fait, elles sont décrites de manière technique en dessous. Donc on n'avait pas le temps de gérer ces deux aspects-là. Et sur Redmine, l'outil n'est pas vraiment optimisé pour une navigation clavier. En revanche, on peut faire de l'export de texte. Donc on peut quand même lire le contenu d'un ticket. Alors si on devait lister les réussites, je dirais les réussites actuelles et les réussites aussi espérées du projet, tout d'abord c'est la montée en compétences hein, de toutes les équipes sur l'accessibilité numérique, et pas seulement les développeurs front, hein, également les concepteurs UX/UI, les chefs de projet, sans oublier côté client, les contributeurs. C'est très important parce que, au bout du compte, ce seront les contributeurs du site qui seront les garants de l'accessibilité du site à long terme. Et également pour nous, côté Access, on a magasiné tout un tas de bonnes pratiques qui nous seront très utiles pour nos futurs projets. Ce qu'on espère également, c'est un taux de 90% ou plus de conformité RG2A dès la sortie du site, et ça c'est un impact sur le budget. Ça nous permet de bien mieux maîtriser notre budget, et ça c'est vraiment l'apport de l'accessibilité by design. Si on avait attendu en fait la recette finale pour faire auditer les développements, et bien très probablement que la charge de développement aurait été bien plus importante. Également un point important qui est une satisfaction, c'est l'accessibilité du back-office. En général, quand on prend l'accessibilité comme enjeu sur un site, souvent on se limite au front-office. Et là, le back-office est accessible. Et ça, c'est très grandement rendu possible par le thème Claro de Drupal. Et donc là, je pense que c'est vraiment un fait assez important à noter. Et c'est une très bonne chose que Drupal nativement nous permette d'avoir un back-office accessible. Et enfin, j'espère que ce site devrait être une belle vitrine
pour Numérica et pour l'association Valentin Huy dans leur engagement pour la promotion et la sensibilisation autour de l'accessibilité numérique. Alors le bénéfice d'un site accessible, ça améliore le référencement, une meilleure audience, l'augmentation de l'audience, donc les personnes en situation de handicap pour accéder au site. Du coup, il y a aussi une meilleure image de l'entreprise, des coûts maîtrisés et une meilleure qualité de code et sa structuration. Du coup, la présentation est finie, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci. Bonjour. On voit que les bâtiments ont une obligation de se rendre accessibles aux personnes handicapées. Au niveau des sites, je crois qu'il y a aussi des avancées à ce niveau-là. Est-ce que vous savez où on en est ? Alors, on s'attendait à cette petite question un peu sur la législation. C'est pas la question la plus simple. En termes de législation, de ce que je vais pouvoir vous dire, parce que c'est pas le sujet où je suis le plus pointu, mais en tout cas, en France, il y a une obligation déjà légale de publier une déclaration sur les sites internet. Et l'obligation aujourd'hui, elle vaut pour les entreprises du secteur public et les entreprises du secteur privé qui font un chiffre d'affaires de plus de 250 millions d'euros. Ça va changer, ça va évoluer. Il y a déjà, en fin 2023, maintenant des entreprises qui ont été maintenant mandatées pour faire des contrôles. Donc les amendes, les contrôles commencent et les amendes vont commencer à tomber. Il y a eu également un décret en mars de cette année, il me semble, qui a ajouté les entreprises qui vendent des produits et des services. Alors, il n'y a pas encore le périmètre qui a été défini précisément pour ces entreprises, mais elles commencent donc à rentrer dans le scope. Et donc, petit à petit, l'idée, c'est que tous les sites devront être accessibles à terme, indépendamment du chiffre d'affaires, etc. Bonjour. Vous avez parlé des cookies tout à l'heure et je me posais la question, pourquoi est-ce que vous avez proposé à l'association de carrément ne pas avoir de cookies sur le site, ce qui fait qu'en fait vous auriez pu donc complètement virer le gestionnaire de cookies? Non, on ne l'a pas proposé parce que notamment une de leurs demandes c'était d'utiliser, de diffuser leurs vidéos YouTube. Donc par rapport à la RGPD avec YouTube, on est contraint d'obtenir le consentement des utilisateurs. Donc de fait, la question ne s'est pas posée. Et pour les vidéos YouTube, il est tout à fait possible d'avoir la vidéo et de mettre, avant qu'elle soit chargée, une petite annonce sur la vidéo pour dire si vous cliquez dessus, vous autorisez YouTube à poser des cookies. Alors, vous me la prenez. Du coup, on ne s'est pas posé cette question. Après, faudrait voir pour le coup. Alors, si on devait s'orienter vers cette solution-là, du coup, il faudrait regarder ce test de conformité, d'acceptation du consentement, s'il est accessible. Voilà, du coup, on retombe un petit peu dans ces contraintes-là, c'est-à-dire que si le recueil du consentement dans YouTube n'est pas accessible, du coup, les visiteurs du site pourront pas, en tout cas les personnes malvoyantes, ne pourraient pas voir la vidéo, ce qui serait embêtant. Voilà, et d'autant plus qu'on a trouvé une solution qui semble être vraiment conforme à l'accessibilité, ça nous semblait une solution plus simple et plus efficace pour répondre aux besoins. Comme ça ? Ah oui. Bonjour, j'avais une question tournée open source. Drupal est un framework open source et vous parliez du thème Claro qui était accessible nativement.
mais que vous aviez dû faire quelques modifications back-office pour le rendre encore plus accessible. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez poussé au niveau de Drupal, au niveau de la communauté de Drupal, pour améliorer encore l'accessibilité de ce thème? Et une autre question qui va dans le même sens, c'est est-ce que vous, de votre côté, vous envisagez de faire un thème 100% accessible que vous pourriez réutiliser ou éventuellement faire partager à la communauté de Drupal? Les actions qu'on a apportées au thème Claro, c'est du confort, c'est-à-dire que c'est pas pour le rendre conforme au RG2A. C'était vraiment des demandes spécifiques par rapport à l'usage concret qu'observaient les utilisateurs aveugles. Pour le moment, alors je dirais qu'on est un petit peu dans le jus là, on est en plein dans le projet, etc. Donc le fait de soumettre ces développements, ces correctifs à la communauté, c'est pas posé pour le moment. Mais effectivement, enfin, je pense que c'est intéressant. On pourrait étudier la question, oui. Je rajouterais peut-être juste une petite information. Quand on dit que le terme Claro est accessible, c'est qu'il est conforme au RG2A. Mais quand on parle de conformité, il y a aussi de l'accessibilité. C'est un petit peu différent. On a la conformité au RG2A, mais quand on veut faire de l'accessibilité, on peut aller plus loin que la simple conformité du RG2A. Donc souvent, des tests utilisateurs par des personnes en situation de handicap diverses nous permettent d'ajouter des usages supplémentaires, des correctifs supplémentaires qui vont aller bien au-delà du RG2A pour leur faciliter en tout cas l'accès à Internet. Oui, bonjour et merci pour vos interventions. Est-ce que dans ce projet, vous avez intégré des critères d'éco-conception ou est-ce que c'est compliqué de travailler à la fois sur le plan d'éco-conception et aussi d'accessibilité pour les sites? Est-ce que c'est deux plans qui sont compatibles? Alors, l'éco-conception, on y est toujours attentif dans une certaine mesure sur tous nos projets de toute façon, mais comme l'accessibilité sur nos autres projets, on a toujours un degré de vigilance sur un minimum de bonnes pratiques. Après, c'est vrai que le tout, c'est une question d'arbitrage, comme avec l'UX, comme l'accessibilité, comme l'éco-conception. Et en fait, la balance a été poussée vraiment vers l'accessibilité. Donc, quand il a fallu choisir entre deux options, c'est toujours l'accessibilité qui a pris le dessus. Et comme dans d'autres projets, ça va être l'éco-conception qui va prendre le dessus. Donc, pour moi, dans cette phase de conception, c'est vraiment ça qui est important, c'est de se poser les bons objectifs dès le début, de savoir vers quoi on va finalement faire nos choix. Et là, pour ce projet-là, c'était assez clair. Donc l'éco-conception, on l'a toujours quand même en tête, on ne fait pas de choses incohérentes ou vraiment très étranges. On le déconseille aussi à nos clients tout le temps dès qu'on peut. Donc dans ce site, il n'y a rien de... Il n'y a rien d'étrange. De toute façon, souvent, ça se nourrit, l'accessibilité, l'éco-conception. Il y a plein de valeurs qui se retrouvent entre les deux. Donc, dans ce site, il n'y a rien de trop choquant par rapport à l'éco-conception, mais ce n'était pas non plus notre préoccupation première. Bonjour. Juste, j'avais une question sur les iframes. Le fait d'avoir une iframe sur un site... type Google Maps, ou sur laquelle on n'a pas forcément la main, et qui n'est pas accessible, ce n'est pas un cas de dérogation valide? Si, on peut exempter, mais après, c'est le client qui a la main dessus. Nous on ne va pas dire de l'exempter, c'est le client qui décide. Après, dans les exemptions, il faut faire attention. C'est-à-dire que si le client a fait le choix d'utiliser... cette Google Maps, c'est lui qui fait délibérément le choix d'utiliser quelque chose qui n'est pas accessible. Donc, il y a tout un discours sur l'exemption qui est un petit peu compliqué parce que du coup, nous, on a envie de leur dire non, c'est le choix que vous avez fait, donc on ne va pas exempter ça. Par contre, il faut prévoir une alternative accessible à cette carte. D'accord. Mais à l'inverse, faire un lien vers Google Maps pour enlever l'iframe, c'est aussi un choix. On est d'accord. Oui. On est tout à fait d'accord. Mais dans, si on regarde clair dans la norme, ça fonctionne. Et moi, j'en profite. J'avais une autre question sur les
notamment sur les tests d'utilisateurs, est-ce que vous en avez fait? Et si oui, comment? Comme on a vu que Figma, ce n'était pas accessible. Alors, comment vous y prenez pour faire des tests d'utilisateurs sur des maquettes ou wireframe? Alors, du coup, pour les tests utilisateurs, donc on travaille plutôt justement avec cette phase de maquette et ces ateliers avec le client. Et il y a eu ces 4 wireframes qui ont été développés en HTML, qui, eux, par contre, ont été vraiment testés pour la navigation au clavier. Oui, donc du coup, pour compléter, pour le coup, on a dû reproduire certains wireframes en pur HTML CSS et le test a été fait avec un lecteur d'écran par une personne aveugle. Bonjour. Vous visiez d'avoir un site à 90% accessible à la sortie, 100% plus tard. Est-ce que vous envisagez d'utiliser des dérogations pour charges disproportionnées sur des documents ou autres afin d'y arriver? Et qu'est-ce que vous pensez justement de ces dérogations qui peuvent émerger dans le cadre du 100%? Je ne crois pas que... Il y a eu de demander de mémoire. Non, alors là, pour le coup, on parle pour les documents. Hein, on parle justement d'une partie qui est du côté des contributeurs. Hein, et donc, du coup, c'est la responsabilité de l'association Valentin 8 de produire des documents qui sont accessibles. Donc, eux, là, leur stratégie, c'est de revoir justement. En fait, ils ont beaucoup de documents PDF. Sur leur site actuel, et donc de leur côté, alors, voilà, du coup je parle en leur nom parce que c'est vraiment pas du tout dans notre périmètre ici, mais leur volonté c'est de revoir à terme tous ces documents pour les mettre à disposition sur leur site en format Word accessible. Mais du coup c'est un travail qui va prendre du temps, et c'est l'une des raisons pour lesquelles on sait que le site atteindra pas un taux de conformité de 100% au départ, mais que s'ils font cet effort-là et d'autres, ils pourront à terme viser le 100%. Mais en tout cas, eux, leur stratégie, pour le coup, pour cette partie-là, c'est pas de demander une dérogation, mais c'est vraiment de revoir leur documentation pour la rendre accessible. Bonjour. Avant de passer à ma question, je voulais juste préciser que pour le côté législatif, que c'est à partir de fin juin 2025... C'est les entreprises de plus de 2 millions et pas de 150, ça change tout, ou de plus de 10 oui, salariés. Il me semblait qu'il y avait... Ça va vous faire du travail, c'est bien, et tout le monde s'agite. On en a déjà beaucoup. Ouais. Et ma question, c'était par rapport aux contributeurs, parce qu'une fois qu'on a fait un site accessible, on laisse la main, et est-ce que vous avez mis des contraintes dans le back-office ou... Vous parliez de CK Editor, donc ils peuvent faire n'importe quoi, on va dire. Avec, est-ce qu'ils ont été, voilà, comment ça se gère en fait une fois que c'est les contributeurs qui ont la main? Alors, par exemple, il y a plusieurs stratégies. Donc déjà sur CK Editor, on a conseillé aux clients d'éviter de mettre des éléments qui puissent être justement non conformes. Donc par exemple, tout ce qui est vidéo, images, etc., c'est contribué à l'aide de paragraphes, où là c'est beaucoup plus cadré, et on a empêché de mettre des images et des vidéos via CK Editor, par exemple. Donc ça c'est le premier point. Ensuite, sur les formulaires, notamment sur les images, avec le client, on a mis systématiquement des textes d'aide, d'indications, notamment sur les images, hein, parce que d'ailleurs j'en profite parce que c'est souvent une erreur que font beaucoup de contributeurs de penser que pour rendre accessible le site il faut mettre une description à toutes les images. En fait c'est pas vrai, il faut mettre une description uniquement aux images qui sont informatives et qui ont du texte. Si une image n'a pas de texte, il faut surtout pas mettre de description, sinon ça passe pas l'audit RG2A. Donc par exemple sur l'upload d'image, on a expliqué ça dans le champ alternative textuel pour guider le contributeur, pour lui expliquer dans quel cadre mettre cette alternative textuelle. Après, ensuite, encore une fois, la balle est dans le camp du client qui est en train de prendre conscience
du besoin de former les contributeurs à l'accessibilité, parce que bah, le back-office et la technique, la technologie peut pas, ne peut pas tout faire. Et ils sont en train de prendre conscience qu'ils vont devoir former leurs contributeurs, les sensibiliser à l'accessibilité, justement pour que leur contribution respecte les règles du RG2A. Alors d'autant plus pour l'association Valentin 8, puisqu'en fait, il y a doit y avoir autour de 100 contributeurs différents sur site, parce que ils ont plein de comités d'établissements qui sont éparpillés dans toute la France, et pour chacun de ces comités il va y avoir un webmaster qui est désigné, et donc bah, plus on multiplie les contributeurs, plus on augmente le risque qu'il y ait des contributions qui ne soient pas accessibles. Et donc le client est en train de prendre conscience là qu'il va devoir lancer une campagne de formation à tous ses contributeurs, justement s'il veut atteindre son objectif de 100% d'accessibilité à terme. Bonjour. Juste, en fait, c'est plus une remarque qu'une question. Enfin, déjà, bravo pour le travail que vous avez fait. Mais vous, là, on a beaucoup parlé de l'accessibilité aux personnes malvoyantes ou non-voyantes. Mais l'accessibilité et le handicap, c'est beaucoup plus large. Et on a tendance à oublier ça et se limiter à un prisme. Mais là, et donc, ça fait écho à ce que vous disiez sur la formation des contributeurs. Il y a aussi la question de des handicaps 10, des handicaps cognitifs, qui est souvent pas traité ou pas traité du tout. Et donc, effectivement, dans le cadre de la formation des contributeurs, on peut se rendre compte que c'est hyper important de les inciter aussi à formuler simplement, à utiliser du français facile à lire, à comprendre, ce genre de choses. Et c'est vraiment des notions qui ne sont pas oubliées. Voilà, je voulais juste ajouter. Je suis totalement d'accord. Je suis dysorthographique. Donc, avoir les bons espacements de texte et tout ça, ça aide. Ça aide énormément, ouais. Allez, j'en remets une couche sur les images décoratives, parce qu'effectivement... Allô ? Oui. On a eu le cas aussi récemment, justement, de contributeurs qui mettent systématiquement quelque chose pour une image qui ne transmet pas d'informations. Mais je ne sais pas si c'est votre cas spécifiquement sur ce site. Quand on utilise, par exemple, la librairie média de Drupal pour avoir des banques d'images, il y a des cas où une image en contexte, elle peut être purement décorative et dans un autre contexte, transmettre une information. Et est-ce que, quel est en back-office, bon là c'est très technique, mais en back-office, comment vous gérez ça? Est-ce que, enfin, nous je sais qu'on a mis carrément une checkbox, cette image est décorative, en contexte, pour mettre un halt vide ou pas, alors même que ça a pu être renseigné dans Média. Alors, je vais laisser Numérica répondre. Moi, ma compréhension, c'est que justement, le fait que ce soit décoratif ne dépend pas du contexte. Voilà. Donc, c'est, en tout cas, c'est ma compréhension. Donc, du coup, on n'a pas pris ça en considération. Donc, bah, maintenant, je vais vous laisser. En fait, moi, pour une image qui donne une information, c'est pas obligé qu'il y a du texte. C'est vrai. Par exemple, s'il y a un icône date et qu'il n'y a pas de texte qui dit que c'est une date, et ben, dans ce bouton, dans cette image, je veux dire, il faut, par exemple, à l'intérieur, de la mettre en area hidden true, pour que ça ne soit pas vocalisé, mais donner un texte en SR only, pour dire que c'est bien la date. Et en SR only, du coup, ça va être lu au lecteur d'écran, vocalisé au lecteur d'écran, mais ça va pas être visuellement, on le verra pas. Alors, je rajouterais peut-être juste une petite chose. Effectivement, ça peut, en fonction du contexte, c'est un petit peu particulier quand même, les images, même si après on a aussi des images liens, ça peut complexifier encore. Donc, ça peut effectivement venir du contexte. Après, là, je pense qu'avec toutes les maquettes et toutes les images qu'on a pu voir, le type de contribution, en tout cas, qu'il va avoir sur le site de la VH, on ne s'est pas posé cette question parce qu'elle n'avait pas forcément lieu d'être dans les contextes d'images qu'on pouvait avoir. Oui, pour compléter, alors effectivement, l'exemple qu'a donné Anthony, on l'a sur le site, mais c'est des images très spécifiques
qui apparaissent sur la page d'accueil, qui sont utilisées une seule fois. Donc là, on peut imposer. On sait en fait tout de suite. Par exemple, on a un focus sur des chiffres clés, par exemple sur la page d'accueil. On sait que là, il va falloir mettre une alternative textuelle et on l'impose. Mais pour tout ce qui est contribué, on sait que le cas n'apparaîtra pas et donc on n'a pas fait ce, on n'a pas eu besoin d'aller dans ce niveau de spécificité, quoi. Je crois qu'on doit arrêter. On a bien dépassé le temps. Merci à tous, en tout cas, pour vos questions. Merci. Merci beaucoup.